Bonsoir, 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 bonsoir. Nous sommes sur la soirée du lundi. La soirée du lundi, c'est la soirée horreur. Avec, bien sûr, Alien Isolation. Je vis très bien. Je veux dire, le début de ce let's play, j'ai pas du tout flippé. Alors, on en était qu'on on avait un lance-flamme, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Bordel sur mon bureau, ce qui est toujours une moins bonne nouvelle. Alors, du coup, on va se garder le lance-flamme parce que c'était quand même bien pratique. Vais avoir l'affreux dans le coin. Même qu'il est de sortie, ce qui est quand même embêtant. Caméra là-bas qui nous en... Elle faisait un rafut du tonnerre. Et du coup, on était grillax. On va attendre qu'elle s'éloigne un peu. On va passer en dessous, on va la désactiver. On a le lance-flamme qui est prêt à lancer des flammes. Tout proche, hein. Allez, barre-toi. Du coup, c'est quoi notre objectif? Activer le disjoncteur de la salle de décontamination. Très bien. Bah ok. Pas de trace de Jackie. Ennemi proche quand même, mais bon, vas-y, on tente. C'est bien, tu as mis ta couche parce que moi aussi j'ai pris mon petit stock. Je suis prêt à en découdre avec mes sphincters. Ça m'a l'air par là.
appuyer sur E pour grimper. Les espaces étroits, hein, toujours un plaisir. C'est par là. Arrête de faire des bips random le détecteur, tu me fous le stress. Est-ce que ça va au niveau du son, mon bon Tancred? Ok, une caméra. Titre. Classique mais efficace. Pas de sentir obligé d'approcher. Ok, bah tant mieux. Avec mes réglages un petit peu forax. Un peu d'écho, ouais je sais, c'est un problème que j'ai à chaque fois et je sais pas trop comment le régler. Falloir que je trouve un moyen de régler ça proprement, mais je sais pas encore comment. Car je ne suis pas du tout technicien audio ou truc du genre. Je pense que c'est lié aussi au fait que ma pièce soit relativement vide. Ok, on a récupéré la carte, donc on va avoir peut-être un petit peu plus d'infos. Le disjoncteur est là-bas, donc on va continuer tout droit, je pense. Ou alors par la porte ici, ça va nous permettre d'accéder. Ouais, il est dans le coin. C'est reparti pour le moment. Flippage. Allez, barre-toi. Cette musique de l'enfer en plus. Coucou, bien sûr. Est-ce que, comme un teubé, j'ai cliqué sur le mauvais bouton? C'est pas probable. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, je dis juste que c'est fort probable. Petite pensée pour les gens braves qui ont dû explorer le niveau et tout, genre oui, non, tranquille. Alors que moi je suis en train de ramper comme une vieille larve les trois quarts du temps. Pas être loin. Le truc à trouver en explorant, je pense que oui.
Ne serait-ce que des infos sur l'univers ou sur ce qui s'est passé. Okay, très bien, jusqu'ici ça va. Pour retourner là-bas, initialiser le conduit de distribution. Très bien, c'était où on était tout à l'heure. Si steak Lorenz sont pas les steaks. Donc je vais alors retourner par les conduits de merde. Évidemment. J'aimerais bien retrouver un point de sauvegarde. Bah vas-y. Ah, putain, t'as galéré à monter dans le conduit. Okay. Ensuite à droite, il y a le point de sauvegarde dans le dépôt. Risque d'y avoir aussi notre ami. Qui a l'air d'être passé. Tout va bien. Eh bien, tout va bien. Je suppose que s'il y a des ennemis proches et que quand on va activer le truc, il y a un androïde à la con qui va se pointer et qui va foutre la merde. Parce que bon, évidemment. Il est là. Kikou. Bien bonne idée de remonter dans ton conduit. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas? Évidemment. Ah putain! Barre-toi! 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 Enfoirax! Oh le bâtard! Les applications de maintenance réparation. Le gros monsieur, il est là. Je suis pas là, je suis pas là. Remonte dans ton Toyo. Non. Là, j'ai dit remonte dans ton Toyo. Ok. Ça fait flipper. Ça fait son petit effet au casque. Oui! Oui. Oui.
Putain. Ok, donc il a décidé d'être relou. Oups, il a surtout décidé d'être là. Ça monte grave en pression, tu veux dire. Demande de vérification de maintenance dans le Oui, bah évidemment. 9 et 12 reçu et confirmé. Un gardien de service a été envoyé sur place. Putain! Barre-toi, Jackie! Évidemment, je m'attends à ce que Roger revienne. Hein. Voilà. Ouais, c'est bien, mais je dois faire quoi? Moi, je dois attendre qu'il finisse ou... Ou je dois le défoncer? Il se lasse pas, hein? Je pense qu'il m'a vu. Je pense qu'il a faim. Ce serait bien que tu retournes d'où tu viens. Il me voit pas, il me voit pas. Si je ne le regarde pas, trouble de l'œil laiteux. Si je ne le regarde pas. Il ne me putain de caisse, vois pas. Rentre dans ton truc. Il m'a vu. Et il a l'air fort mécontent. Alors, prenons les paris sur qui va me tuer en premier. Bon, si. Est-ce que du coup, c'est le truc d'initiation? Ouais. Bon, c'est l'air droïde qui va me tuer, je pense. Quoique. Le duel est ouvert. Je n'ai plus de munitions. Je suis dans la merde. D'accord, mais au moins je sais ce qu'il faut faire. Je vais limite peut-être me laisser crever parce que maintenant je sais, j'ai identifié ce qu'il y avait à faire. Oui, bah. Oui, coucou. Coucou, coucou, coucou. Évidemment. Non, l'alien n'attaque pas l'androïde. L'androïde n'est pas une forme organique, l'alien n'en a rien à branler. Il est déjà là, lui.
va essayer de se barrer un peu pour faire diversion. Est-ce que c'est une bonne idée? Probablement pas. Putain, mais calme-toi la musique. Ah mais pars-toi Jackie. Alors là, si j'avais un placard. Il tient. Dépêche-toi, Amanda. J'ai réussi à organiser mes globes. Ce que j'ai trouvé, non. Que quelqu'un ait une bonne idée de ripper les musiques du jeu. Et ça, c'est une bonne idée. L'inconvénient, c'est que c'est pas du tout en ordre. Et que c'est pas du tout nommé non plus. Tout va bien. Bien. Il est rentré dans sa conduite, je pense. Il est redescendu d'un conduit, je pense. Oui. Il est en train tranquillement de faire sa petite chasse pendant que moi je suis bloqué dans un placard comme un con. Putain. Jeu de l'enfer. Putain, mais c'est pas possible. C'est chiant, Raoul. Je tiens à te le dire. Pourquoi tu changes d'avis? Oui, bah là, c'est Griax.
Allez. Il est où? Je le vois pas. Et l'androïde, ok. Mais je vois pas l'alien. De couler là-bas. C'est par là, utiliser mon charge. Je suis pas stressé. Mais j'aimerais bien un point de sauvegarde. Il est là. Je crains qu'il ne me tombe littéralement dessus. Permettre de bouger ses caisses. Très bien, je suis censé passer comment là? Est-ce que j'ai raté une porte comme un gros teubé? Ou est-ce que c'était pas du tout par là? Il y a décontamination par là. Ah et peut-être que je dois passer par là en fait. Décontamination, c'est où? C'est par là. J'irai bien. Ah mais t'es sérieux, Jackie? Et moi je veux bien, mais je fais comment pour passer là? Par là éventuellement.
Ou pas. Yes, oui, bloqué. Rétablir l'accès à la distribution intérieure de Gemini, exemple une solution, une fois intérieur, localiser le mont de charge et le prendre jusqu'au projet KG, blablabla. Utiliser le mont de charge. Oui, bah là on me dit que c'est bon pour passer vers les compteurs. J'ai raté un bouton parce que je suis encore une fois daltonien de mes 11 vies. Ah mais meuf, t'as 8 fois la place pour passer. Pas de bouton de saut, ça ne sert à rien. On est bien d'accord que c'est pas grave. Lui il me dit qu'il y a un truc sur le mur, mais je l'ai pas vu. Contrôle d'urgence éventuellement. Mais ça ne sert à rien. Activer le fret, c'est ça que je cherchais. Aveuglito. Vers le projet mes couilles. Ça avance. Difficilement, mais ça avance. Putain, stress au maître. Excusez-moi, je réponds. Wait, j'y suis. Il est toujours derrière vous. Je crois que oui. Oui. Une idée. À vous, là-bas. Allez-y, Ripley, vous avez été un bon larbin depuis le début. Continuez comme ça. Ok, accéder au laboratoire de recherche du projet KG384. Ok, donc il est là. Yes, un point de sauvegarde. Ok. Il faut aller vers Gemini Exoplanète Solution qui est derrière moi. Raffut de l'enfer. La petite musique qui va bien. Je doute bien que ça va pas être si facile.
G-Waits. On peut séparer le labo de la station principale. Remettez-le en ligne et les systèmes pourront se reconnecter. Ok. Faisons comme ça. À nouveau, un travail pour l'Arbinus Maximus. Du mouvement. Ok, de toute façon, il n'y a qu'un seul accès visiblement. Des morceaux d'androïdes de partout. Oui, bah, faut faire le tour à tous les coups. Pour accéder à... Toi, t'es encore vivant, je te vois venir. Il est là. Faut que je remette le courant. C'est où? sur le mur là-bas. Et il y a un point de sauvegarde là. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de sauvegarder maintenant? Sachant qu'il y a un monsieur qui faisait bavouiller sur le côté. On va dire que oui. Depuis le labo central. Console qui se trouve dans le labo central. On compte sur vous, Ripley. Fuite de matière dangereuse détectée. C'est où? C'est de l'autre côté. Lui. Fuite de matière dangereuse confirmée. Lancement de la procédure de sécurité. Hey Jackie. Attention. Coucou Jackie. Au revoir Jackie. S'échapper du labo. Oui, je suis d'accord avec cette idée. Comment ça, désolé? Ah le bâtard! Ah le bâtard! Oh putain! Je suis en attente du rétablissement.
Oui, l'espace sans combinaison, c'est un peu nul. L'espace sans combinaison et avec un alien dans le coin, c'est un peu plus nul. Donc il y a l'androïde qui va nous faire « Je peux vous aider ?» Porte fermée. Voilà. Dégage, vilain, couchez le chat. Il a fait quoi? Il m'a isolé dans la zone et il a éjecté le labo. Parce qu'en fait, le labo était éjectable de Sébastopol. Et du coup, il m'a isolé dans le labo, il m'a éjecté avec l'alien à l'intérieur. Dépêche-toi. Ouch, oui, aïe, aïe, oui. C'est bon, Jacqueline, ça va mieux? Baby. Faut pas vous mettre dans des états pareils, madame, hein? Pour Amanda. C'était une sortie extravéhiculaire pas terrible, mais bon, on va dire que c'était pas. Je propose YouTube qu'on fasse une pause là, on est en 44 minutes, ça fait un épisode un petit peu court, mais ça me semble bien comme cliffhanger. Du coup, des bisous, à la prochaine.